Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je ne montre pas ma tête, on est lundi, il est 13h45 et je ne suis pas maquillée, je suis sarbique, enfin les cheveux c'est pas le top, donc voilà, on se cachera, je sais que vous m'avez déjà vu au naturel, alors je pense que certaines d'entre vous, si elles ont regardé la vidéo unboxing de chez Action, quand je vous ai dit que mon mari avait été faire les courses à Action, je rigole à lire vos messages et vos commentaires parce que je regarde la vidéo mais je me dis mais heureusement que le ridicule ne tue pas ma pauvre parce que dis donc, le coup des oreilles de lapin, je suis encore éclatée de rire quand je regarde la vidéo, je me dis t'as osé poster ça, bah ma foi on se connaît bien maintenant, hein, je me gêne plus avec vous. Donc voilà, je savais très bien que y en a qui allaient passer un petit moment de rigolade et ben voilà, c'était le but. Je me suis dit tiens, allez, voilà, c'est aussi ça, hein, partager des choses, rigoler un petit peu et passer un bon petit moment de rigolade. Voilà, c'était le pompon. Hein. Voilà, donc j'ai reçu un colis de Caroline. Caroline qui m'a fait un beau colis. Tout bien emballé, tout bien fait. Donc, je voulais vous montrer ce que Caroline nous avait préparé. Donc, elle m'a envoyé des stylets, puisque vous savez que mon mari en a acheté sur AliExpress, mais on n'est pas prêt de les recevoir. Il en a commandé 200, mais vous savez, on va pas reparler de ça. En Chine, c'est vraiment le bazar. Ça reprend, hein. Tout doux, mais ça reprend, hein. Donc, je voulais, voilà, elle m'a mis une belle petite carte, toute jolie. Voilà, elle m'avait accroché quelque chose, donc elle m'avait mis un petit truc comme ça. Une jolie carte. Attendez, hop, si je vous la montre à l'envers. Très, très jolie. Voilà, elle nous a commandé des stylets, donc elle m'envoyait ce qu'il fallait. Alors, tu remercieras Nicolas pour le temps qu'il passe à fabriquer tous ces beaux stylets. Je rajoute quelques bricoles pour toi, Angélique. Ce n'est pas grand-chose, mais je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais, tes vidéos, ton investissement. Tu es une belle personne, c'est un réel plaisir de te regarder. Reste comme tu es, j'espère que tu continueras longtemps à nous ravir. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta petite famille, Caroline. Et vous la connaissez sous le pseudo, elle était au live, elle commente régulièrement mes vidéos, c'est Bérangère. Voilà. Donc, quand elle me dit que c'est pas grand-chose, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup. C'est un très joli colis. Ouais, je suis trop contente. Donc, là, elle m'a envoyé un... en plus, ça tombe bien, puisque maintenant, j'ai ma grosse machine, ma Big Shot. C'est, mince, un classeur pour embosser. Le papier, voilà, c'est une plieuse, voilà, c'est un classeur, ça s'ouvre comme ça. Je vais vous le montrer, puisque de toute façon, je vais le servir, donc je vais le déballer avec vous. Donc, c'est exactement ce que je vous ai montré l'autre jour pour faire mes cartes d'invitation d'anniversaire. Sauf que ça, c'est un classeur avec des étoiles, et moi, c'était des fleurs et un oiseau. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Vous mettez votre papier, voyez les étoiles. Ça fera un fond d'étoiles en relief, en fait. Voilà, vous mettez votre papier à l'intérieur, on ferme, on met les plaques, on passe dans la machine et ça vous fait du joli papier avec des étoiles. Voilà, convient pour la plupart des machines. Placez le papier, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Entre la plieuse et utiliser la plieuse, voilà. Il est très joli, je ne l'ai pas. En plus, il est costaud. Hein, parce que j'en ai des plus fins que ça de chez Action. Celui-là est vraiment costaud. Mon mari en a acheté un comme ça, mais c'est pas les étoiles, c'est plutôt des triangles. Je préfère les étoiles, il est très joli. Donc voilà, ça va incurver, ça va faire du volume à votre papier, ça va être super joli. Voilà, elle nous a envoyé, parce que tout est bien emballé, hein, de la pâte Fimo, celle que mon mari prend en plus. Et comme c'est les couleurs qui sont les plus demandées, le rose et le violet, je te remercie beaucoup Caroline, parce que ça... c'est vraiment pas perdu pour le moment en plus parce qu'il en utilise beaucoup, beaucoup. Donc c'est très gentil parce que tu as pensé
On continue avec la petite chose. Donc tu vois, quand vous me dites que c'est pas grand chose que vous m'envoyez, pour moi, c'est énorme, énorme. Des pistils de fleurs. Étamines, pardon. Vous voyez, violet, un peu fuchsia et un peu vieux rose, rose clair. J'adore cette couleur. Oh, très joli. Il faut que je fasse quelque chose avec ça. Peut-être sur mes cartes d'invitation. Il faut que je voie. Alors ça, ce sont des stickers autocollants. Ah, ça fait super bien parce qu'ils ont une petite ficelle. Je regarde en même temps que vous. Hein. C'est pour ça que... Voilà. Les stickers autocollants, façon tag un petit peu. Hein. Très joli. J'adore les couleurs. Alors ça, c'est un, pareil, un classeur d'embossage avec des motifs cœur. Donc ça, j'adore aussi. Hein. Caroline, elle fait du scrap. Elle m'a dit qu'elle faisait du scrap. Donc elle doit avoir hein, ce genre de choses. Elle doit utiliser ce genre de... d'affaires aussi. Hein. Des tampons. Oh, ils sont super jolis. Des tampons clear stem en silicone. On a la petite enveloppe, la petite clé, la voiture. C'est bien ça quand on a des petits, des fois, des petites choses à marquer. Symbole homme-femme. Le petit cœur, le bateau, le voilier. Ouais, très très joli. Voilà une autre planche avec la cloche. Justement, ça va être Pâques. On a le sapin, on a les boules. Oui, c'est très joli aussi. Les flocons. Donc la cloche, elle peut très bien servir à Noël ou à Pâques. Un petit cœur, du cheval de bois. C'est vraiment des beaux décors pour des cartes de Noël, Pâques. Ouais, les tamponnages, les tampons sont très jolis. Des petites fleurs roses. Alors ça, j'adore. Et qu'est-ce que j'en utilise ? En plus, celles-là sont très très bien finies. Parce que j'en ai acheté moi l'autre fois, j'ai pas regardé. Les perles s'en allaient à moitié. Il faut bien regarder quand vous achetez. Parce que les gens ils trifouillent tellement que. Très joli. Dans les... Vous verrez peut-être pas très bien, mais c'est un superbe rose. Ça, j'en utilise beaucoup, beaucoup. Ah, elle m'a envoyé ça et je me disais, mais vous savez qu'ils ont toujours leur petit sac. Pour des cartes ou mettre, je pense à des découpes, des tamponnages. Donc, c'était un lot. Je pense qu'elle trouve ça action, mais moi, je peut-être pas, je sais pas. Polysac pour carte de souhait. Ben après, vous mettez ce que vous voulez dans les petits sachets. C'est des petits sachets transparents comme ça. Il y en a 50 dans le paquet. Donc, ça, j'avais pas et je me demandais vraiment ce que vous trouviez. Donc, je suis super contente. Et là, alors là, ça va ravir beaucoup d'entre vous. Je n'avais jamais vu. C'est Action, pourtant, mais je, quand je vous dis que mon Action est pauvre, il est pauvre. Donc, c'est un livre à colorier avec des dessins qui sont prédécoupés. Donc, je vous montre, si vous voulez le trouver, il est Action. Enfin, il est Action. Je ne sais pas si elle l'a acheté ces, jours, ces temps-ci ou si elle l'a depuis longtemps. Voilà, il a 24 pages. Et comme je vous dis... ça ne me dérange pas de le faire avec vous. Au contraire, c'est pas très gros, ça va me plaire. Donc par exemple, vous avez des tags avec merci, chaque jour est un commencement, juste pour toi. Oh, je suis encore bonne en anglais, ça va. Je n'ai pas trop perdu. Voilà, des petites feuilles, version tag. Et c'est à colorier et à mettre sur vos cartes ou vos créations. Donc là, on a des fleurs, pareil, à colorier. En fait, c'est des tamponnages qu'il faut colorier et il n'y a plus qu'à découper, vous voyez, vous découpez le tag, c'est vraiment personnalisé. Là on a des feuilles avec les couleurs, regardez, un petit coucou à ma petite Joëlle, madame papillon, regardez la jolie feuille. Oh, il est très joli celui-là. Donc voilà, ça peut vous donner des idées. Il y a même des... Oh là là, regardez celui-là. Il est magnifique. Oh, je ne sais pas si vous allez voir parce que
Il y a des oiseaux et des fleurs. Il est très joli. Voyez, ça, j'avais jamais vu. Ça, c'est toutes des petites frises à colorier. Elles sont. Il y a déjà les pliages pour découper. Voilà. Les petites chouettes, les photos, les petits oiseaux, le vélo. Monsieur et madame, hein, trop bien. Après, je peux faire des photocopies et voilà, si je fais des vélos. Les feuilles sont très jolies. Ça, je les avais montrées. Vous voyez le petit mandala avec les fleurs. Donc, c'est un. Ah, il y a. Non, c'est. Alors, 24 pages à colorier et à découper. Papier vélin et autocollant. Oh, les autocollants. J'ai vu le papier vélin, ça doit être avec les autocollants. Faudra bien regarder. Ça, c'est super bien. Et derrière, vous avez les différents motifs. Donc, je vous remontre le début. J'ai pas vu les montgolfières. J'aurais bien voulu vous le montrer. Et peut-être pas sur celui-là. Allez, la montgolfière. Et voilà, les voilà. Une montgolfière qui emmène les petits messages avec les petits cœurs. J'adore. Là, c'est un papier voilà, normal. Et il y en a qui sont plus épais. Au début, c'est tout des. Voilà, c'est genre cartonné, comme du craft. Donc, ça, c'est super sympa. Je ne connaissais pas. Et je suis très, très contente. Voilà. Et elle m'a envoyé. Donc, ça, c'est pareil. Je ne connaissais pas. C'est un kit d'action pour créer ses propres cartes à secouer. Donc, c'est les cartes shaker, comme vous appelez les cartes shaker. Donc c'est un set, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc vous avez les petits strass, vous avez les enveloppes, le papier de fond. Oui, les petits caricoles. Alors voilà, il faudra regarder. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'aurais peur de perdre quelque chose. Mais après, on fait la propre carte qu'on veut. Et ça, c'est super sympa. Oui, alors eux, ils ont écrit quelque chose. Célébrite, voilà. Et ils ont mis des petits strass. On peut mettre des sequins. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Voilà, c'est des motifs comme ça. Où il y a marqué Célébrite. Donc ça, c'est la carte du fond. On découpe. On remet ça par-dessus. Après, vous mettez les petits stickers, on met les petits diamants à l'intérieur et on remet la petite feuille plastifiée, on colle. Normalement, on met du double face. Apparemment, il doit y avoir ce qu'il faut dedans. Donc ça, c'est pareil, je vais essayer. Mais de toute façon, je voulais déjà en faire, j'en avais parlé. Ouais, c'est super bien. Même à faire avec les enfants, la première peut-être la faire au calme toute seule, mais après, pourquoi pas faire quelque chose avec Matisse. Une petite carte shaker, c'est super sympa pour les anniversaires. Et je suis très contente de ce bloc. Les oiseaux sont super jolis et vous voyez, ils sont prédécoupés. Donc ça, j'avais jamais vu. Donc ça ne va pas me déranger de vous faire des petits objets. Je peux les colorier à l'avance. J'adore ces feuilles. Oh là là. Alors Caroline, je te remercie vraiment parce que c'est un très très joli colis. Il y a plein de jolies choses, des classeurs embossés, la partie fimo. Ça, je suis fan, en fait, je suis fan de tout quoi. Ça, j'avais pas les étamines, j'avais pas non plus. Donc, je suis super contente. Je me rends compte que vous savez beaucoup mes goûts. Parce que là, oui, il y a beaucoup de choses, de couleurs que j'aime. Alors, Caroline, je te remercie du fond du cœur pour ce beau colis. Voilà. Caroline, elle voulait aussi que je lui envoie donc des stylets en fimo. Donc, le colis va partir demain.
Je te l'ai dit par mail, mais voilà, je préfère le redire. Voilà, les petits stylets, je suis super contente. En plus, c'est des grands, donc ils vont aller à mon mari pour refaire les petits stylets et puis les classeurs. Hein, je suis contente parce que les cœurs, je ne les avais pas. Celui-là non plus. Donc, on va pouvoir faire de jolies cartes ensemble. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous. Caroline, je t'embrasse bien fort. Je te remercie de ta gentillesse, de ta générosité et aussi de ta confiance parce que vous commencez à être pas mal de mes abonnés à commander les stylets en pâte polymère, en pâte fimo, comme mon mari fait. Et voilà, je voulais vous remercier de votre confiance. Pas mal de personnes ont déjà reçu mes envois, donc il n'y a pas de casse, c'est très bien emballé. Donc je suis satisfaite, j'avais un peu peur parce que c'est quand même fragile. Quand c'est des petits chats, des petites oreilles, une petite queue, les petits bras d'Olaf qui sont tout petits, tout fragiles. Mais voilà, pour le moment, tout va bien, tout se passe bien. Et voilà, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui nous font des petites commandes. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.